voilà, avec mes têtes de petits chats. Donc, vous voyez, j'en ai fait plus. Et donc, je vais maintenant en faire une petite guirlande comme ceci. Donc, je vous montre comment je procède. Alors, je prends ma petite tête de chat. Ici, j'ai collé un morceau de papier sur une bande de scotch double face. Donc, je vais le refaire avec vous pour vous montrer. Donc, je prends un morceau de papier, une feuille A4. Voilà, je mets mon double face dessus. Je coupe une bande. Comme ceci. J'ai coupé une petite bande de fil argenté. Voilà, un petit cordon. J'ai pris des petites perles brillantes. Alors, je prends ma petite tête de chat, je vais mettre une tête rose. Je coupe la largeur de la longueur de la tête. Et je vais placer ma petite tête. Hop. Voilà, je place la petite frimousse. Ensuite, je prends un papier un peu rigide et je vais découper à la perforatrice des petits ronds. Je vais en couper 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8. Je les plie en deux. Voilà. Alors vous pouvez en mettre 6. Ou 8. Tout dépend du résultat que vous avez envie d'obtenir. Voilà, et maintenant on va les coller les uns aux autres. Voilà, un comme ceci. Je colle le suivant. Etc, etc. Voilà, ça fait un petit pompon de papier, hein, je ne sais pas comment appeler ça autrement. Oula, c'est pas très français ce que je viens de vous dire. Donc 6, ça donne ça. Alors attendez, il faudrait que je fasse pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'en ai mis 6, donc je vais en mettre 6. Donc, une fois que j'ai mis mes 6 morceaux, je mets bien de la colle et je vais la placer. Hop. Et je ferme.
passe le fil bien au milieu. Tac. Mettre une petite pince le temps que ça prenne. Je vais glisser une petite perle. Voilà. Et je continue. Je recommence un petit chat. Mes amis, j'ai terminé. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est tout simple et je trouve que ça rend pas mal. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.